Salut les sportifs et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve du côté de Cabrières au pic de Vissous. Aujourd'hui on vous fait un cours en altitude et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de toute ma team, c'est-à-dire de Fiofio. Salut. De Nana. Salut. Et on tenait à vous présenter celle qui s'occupe de tout le montage vidéo, c'est Charlotte. Salut. Voilà, donc aujourd'hui donc nous sommes en altitude pour une bonne raison, c'est que on va tous sauter et tous s'envoyer à l'air, surtout Annabelle. Je me sens partir. Voilà, et à la fin de notre séance, on donnera le gagnant de la semaine dernière qui gagne le bon cadeau Intersport. Donc, on fait gagner un de nos abonnés. Aujourd'hui, c'est une séance full body. Donc, on va travailler tout le corps, donc renforcement musculaire généralisé. Tu as besoin d'une bouteille d'eau, d'une serviette et de ta motivation. Alors, on y va, c'est parti. Full body. Allez, les sportifs, on se place et on part sur notre échauffement. Allez, aujourd'hui, full body, tu enroules ton bras droit vers l'avant, réveil articulaire, puisqu'on va mobiliser tout le corps aujourd'hui. Allez, même chose, enroule vers l'arrière, garde tes deux épaules et tes hanches face à l'écran. On est parti sur notre séance. J'espère que Anna et Fiona sont en forme, parce que moi, je le suis chargé de bras. Ouais, mais si tu as froid, ça va pas durer longtemps, Nana. On va vite rentrer dans l'entraînement. Allez, même chose en arrière. Allez, on fait maintenant avec les deux bras. Deux bras en avant. Et deux bras en arrière. Allez, maintenant, on va voir si je pose une colle à mes deux blondes. Un bras en avant, un bras en arrière. Alors, elles y arrivent ou pas derrière? Ok, switch, change. Allez, ok, viens ici, les deux pieds joints, tu ouvres à droite, tu descends en squat, tu ramènes et tu changes, droite et gauche. Petit squat pour commencer et commencer à mobiliser le bas du corps. Allez, tu pousses les fesses en arrière, tu me maintiens le buste droit. Le regard loin devant. Allez, on continue ça. On en fera ensemble. Quatre derniers. Allez, deux. Et un dernier. Footing sur place. Allez, petit footing ici. Tu montes les genoux devant. Tu me tiens le buste un peu en avant. On commence à gainer. Éveillez le centre du corps. Donc aujourd'hui, dans l'exercice, on t'a préparé 5 exercices d'une minute chacun. Il y aura 2 tours. Renfo, haut, bas et abdos. Full body, tout le corps. Allez, très bien. Arrête ton footing ici. Main aux tempes et rotation de buste. Très important ici. Fixe tes hanches face à l'écran. Allez, on en fait 4 derniers. 3, 2, 1. Et on reprend l'exercice des squats. Allez, on fait un deuxième et dernier tour. Cette fois, on met un peu plus d'amplitude. On descend les fesses sur la ligne des genoux. Allez, 4 derniers, pleine amplitude, 4. Allez, le dernier, et on reprend le petit footing. Allez, c'est bon les filles, vous commencez à être échauffées? C'est good? Alors on a eu la bonne idée de manger juste avant le filming, voilà. Donc on est un peu sur le ventre. Allez, et on termine l'échauffement ici avec nos rotations. La taille, les abdos, le dos. Allez, les derniers, 4, 3, 2, 1, et on lâche. Allez, c'était notre échauffement. Maintenant, on part sur notre partie renforcement musculaire. C'est parti.
Nous sommes partis sur nos exercices. Il y aura 5 exercices au menu de renforcement musculaire généralisé. 1 minute par exercice et 20 secondes de récup. Il y aura 2 tours. Allez, on se place pour le premier exercice. Ça sera un squat jambes liées. On descend en squat et on remonte en décollant les talons du sol. On y va, c'est parti. Tu te places avec nous. Je dis 3, 2, 1 et top chrono. Allez, c'est parti. Squat et tu décolles ici les talons. Allez, tu envoies bien les fesses en arrière, tu me gardes le buste droit. Alors, le fait de travailler ici, le squat, jambes serrées, permet de cibler un peu plus le travail sur tes quadris et sur tes fessiers. Et bien sûr, l'extension sur demi-pointe, ça, c'est pour le travail de tes petits mollets. Allez, Lala, allez, Fiofio. Il reste 20 secondes d'effort. Au niveau de la respiration, tu inspires vers le bas et tu souffles toujours vers le haut. Dans l'effort, 10 secondes. Allez, 3. Et top chrono. Tu te places pour le deuxième exercice. Tu peux récupérer un tapis ou une serviette. Ça sera le travail de pompe et le travail de chien tête en bas. Je te montre, il y aura une pompe et un chien tête en bas. Tu te positionnes avec moi. Allez, on y va. Et top chrono. Donc une pompe et un travail chien tête en bas. Tu pousses les hanches en arrière, les fesses vers le ciel. En essayant ici de former une pyramide. Alors Fiona et Annabelle te montrent l'option plus facile sur la pompe. Tu la feras sur les genoux. Allez, quand tu descends, bras à 90 degrés. Allez, au niveau du timer, les filles, on s'accroche, il reste 20 secondes d'effort. Très important, on gagne les abdos, on me tient le dos droit. Allez, les amis, voici les 10 dernières secondes. Allez, 3 secondes. Et tu relâches. Top. Allez, troisième exercice, ça sera le travail de fente révérence ou fente croisée. Tu travailleras qu'avec ta jambe droite. Donc, jambe droite derrière, on fera 3 pulses. Et on revient pour repartir avec la même jambe. Ça va? On place les hanches face à l'écran. On y va. Jambe droite derrière, top chrono. Voilà, simplement 3 petits pulses. Et tu reviens ici juste sur demi-pointe pour repartir de suite. Allez, ton buste ici, vers l'écran. Ton buste bien droit, bien sûr. Pour ça, on me tient bien le centre du corps. Allez, on a fait la moitié du travail. 30 secondes. Allez, je vais te demander maintenant de descendre, hein, le genou proche du sol. Si c'est trop difficile pour toi, mets moins d'amplitude dans le mouvement. Allez les filles, 15 secondes. Allez, 5, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et top chrono. Allez, tu peux récupérer ta serviette. On va reprendre un exercice en planche. Je te montre. Pendant le temps de récup, position planche, tu as 2 élévations avec les bras et ensuite 2 rotations. Ça va? Allez, on se met en position et top chrono. Élévation et rotation, tu twistes le buste et tes hanches. Alors, sur les élévations devant, pense bien à garder ici tes hanches face au sol. Et quand tu pivotes d'un bloc. Allez, vous pensez à jeter un petit œil derrière si Fiona et Annabelle le font correctement. Parce que je les entends piailler depuis le début. Allez ma team,
Il nous reste 20 secondes d'effort avant la récup des 20 secondes. Allez, 10 secondes. Et top chrono. Allez, il nous restera un dernier exercice et là on va bien cibler le centre du corps, les abdos et la taille. Cette fois on finit assis, position ici. L'exercice là, tu gagnes bien tes abdos, tu recules légèrement et on va faire une rotation alternée. Ça va? Allez, rejoins-nous, top chrono. Allez, les options, donc soit la belle avec les jambes posées et un peu plus redressées. Fiona, elle, toujours les jambes posées et légèrement un peu plus en arrière qu'en Abel. Ou sinon, option plus difficile avec moi, on pourra lever et décoller les pieds du sol. Alors apparemment, les filles ont un caillou qui leur rend le derrière. Voilà, je le dis un peu plus fort hein, puisque vous n'avez pas entendu. Allez, ton but ici, suis tes mêmes. Souffle bien les dernières secondes et on aura fini notre premier tour. Allez, 10 secondes. Et top chrono. Tu peux relâcher, en profiter pour boire un petit coup et on attaque le deuxième tour avec Fio Fio. C'est parti pour le second tour. Dernier tour, donc vous connaissez les exercices, on va les enchaîner avec de la récupération, il y aura des options plus faciles et avec moi des options challenger. Allez, c'est parti. Premier exercice, squat, jambes liées et on part en squat avec extension pointe. Let's go. Allez, ramenez bien vos fessiers vers l'arrière et vers le bas. À la montée, vous soufflez et vous vous mettez sur demi-pointe. On fait travailler les fessiers et les mollets. À votre rythme. Allez, 30 secondes. Souffle bien. Contracte bien les abdos. Ceux qui peuvent, les fessiers dans la ligne des genoux. Ou alors à 45 degrés. Allez, le dernier. Et relâchez. Récupération, prends ta serviette ou ton tapis. On va enchaîner avec les pompes. Allez, 10 secondes de récup. Pompe sur demi-pointe. Ou alors sur les genoux. Placez-vous. Et c'est parti. Une pompe et le chien tête en bas. Descendez bien les coudes à 90 degrés. Le chien tête en bas. Le coccyx en direction du plafond. Tenez les abdos. À votre rythme. Voilà. Allez, encore 30 secondes. Allez. Allez, allez. Si vous êtes souple comme un or, posez les talons au sol en faisant le chien tête en bas. Ou alors comme Gis. Allez, encore 10 secondes. Allez, allez. Lâchez rien, c'est le dernier tour. Le dernier et relâchez. Ouh. Allez, enlève ton tapis. Les fentes révérence. Le pied gauche derrière, tu viens croiser. N'oublie pas, 3 pulses et tu remontes sur pointe de pied. Place-toi, pied largeur bassin et c'est parti. Et tu remontes. Viens croiser. Sur demi-pointe, jambe gauche. Viens chercher loin derrière.
Souffle bien en remontant. Garde tes hanches fixes et de face. Si ça devient trop dur, réduisez l'amplitude. Ne descendez pas les genoux à 90 degrés. Allez, encore 20 secondes. Ici, il fait très chaud. N'est-ce pas? Ouais, ouais. On bronze. On bronze. Que d'un côté. Allez, encore 5 secondes. Le dernier. Et relâchez. Ok, récupération. Viens prendre ton tapis. La planche. Allez. C'est parti. Une élévation, deux élévations. Frontale. Et la rotation. Alignez bien le poignet avec les épaules. Gainez les abdos. Allez, le regard en direction du sol. Ne cassez pas votre nuque. Plus que 30 secondes. Allez, allez. On se motive. Avant-dernier exercice. Moins de 15 secondes. Plus que 10 secondes. Allez. Le dernier et tu reviens. Ok, remonte. Enlève ton tapis, on en a plus besoin. Oupsi. N'en laisse pas ton tapis, on en a besoin. Et fio fio, allez, allez. Allez, c'est parti. Assieds-toi. Rotation à droite et à gauche. Allez, c'est parti. Option plus facile avec Anna. Le buste légèrement en avant. Option plus difficile avec Gis. Le buste légèrement penché vers l'arrière. Ou alors avec moi, en décollant les talons. Contracte bien tes fessiers. Tes abdos. Tes fessiers, c'est pour les cailloux. Contracte les fessiers pour les cailloux. Allez, amène ta main. Avec ton buste suit, ton regard aussi. Allez, 20 secondes. Si ça devient trop dur, n'hésitez pas à prendre l'option avec Anna ou avec Gif. Continue avec nous. Allez, 5 secondes. Le dernier. Et relâchez. Wouhou! Bravo! Allez, récupérer. On va passer au stretching avec Anna. Vivez un stretching. Tout le corps, on va étirer. On enroule les épaules vers l'arrière et derrière dans son dos, on attrape ses mains. Attention à la bascule du bassin. Tire bien. Descends tes épaules vers le bas. Monte tes deux bras vers le plafond. Étire vers le haut en montant tes épaules. Redescends-les. On penche à droite tout doucement. On étire la taille. Tire, 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 tire. On revient. Et de l'autre côté. Allez. On revient. On ouvre ses deux bras. Ici, on prend appui sur la jambe gauche. On attrape son pied droit. On bascule le bassin en avant et on recule le genou en arrière. La main gauche pour l'équilibre. Souffle tout doucement. Tire, tire, tire. Tu reposes les deux pieds sur le sol et tu changes de position. Attrape, bascule bien ton bassin vers l'avant, amène bien ton genou vers l'arrière. Quelques secondes encore. Ça penche, il y a du vent. Ok, tu poses les deux pieds, ton pied droit devant, en position flex. Tu montes ta main gauche et tu vas étirer le plus bas. Gis risque de s'arrêter au genou. Fiona risque de descendre un peu et tu peux aller jusqu'en bas.
On déroule tout doucement. On change de côté. La même chose. Hop. On monte. Et on descend jusqu'en bas. Vous risquez de voir passer un vélo. On tire, on tire, on tire. Ok, on déroule, on remonte. Ouvre tes deux bras. Étire. Étire tes pecs. Ok, reviens. Reprends dans le dos. Rattrape tes deux coudes. Étire tes triceps. Ok, relâche. Un petit regard à droite. C'est pas magnifique? Splendide. On n'aura pas la même vue demain, hein? Non. De l'autre côté, ah là c'est encore plus beau. Ok, devant, relâche bien tes épaules. Vers le plafond. Le plafond. C'est le ciel. Ah là c'est beau. On revient. On enroule les épaules. Et on vous dit merci, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et maintenant, la suite, on va sauter en parapente et on va annoncer le gagnant de notre jeu concours qui remportera les 50 euros. Voilà, surtout, on a oublié de dire au début, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ouais, en dessous. S'abonner. Voilà, on s'abonne, on clique et on clique sur la cloche pour avoir toutes nos notifications. Allez, c'est parti. Let's go, on s'envoie l'air. Patrick, que j'ai vomi. Voilà.